Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Deuxième partie de la Shelby Cobra. Jingle. Allez voilà, donc on s'était quitté sur la précédente vidéo. On avait fait la partie 1, assembler le moteur. Voilà. Et du coup, je l'ai peint en X18. Ensuite, il y avait deux petits éléments de plus que j'avais dégrappés et peints en X18. Donc la courroie. Voilà. Et certainement une durite. Alors une durite de quoi, je ne peux pas vous dire. Et elle se trouvait ici. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais finir de peindre en extrême métal, donc de couleur gris-white, qui est plutôt, qui fait un bon effet pour le moteur, mais subtil. On va laisser beaucoup de noir. Je ne sais pas si je vais forcer sur la peinture ou pas. Juste ce qu'il faut. Donc, je vais faire ça. Ensuite, nous allons mettre tous ces petits éléments là. Je ne sais pas si on voit. Alors, attendez, je me mets bien en place. Tous ces petits éléments là. Et ça, c'est des éléments en chrome. Donc voilà les amis. Donc je peins ça en extrême métal et on se retrouve. À tout de suite. Il y avait cette petite pièce-ci à rajouter, donc j'ai pas fini. Hein. Donc ensuite, on va pouvoir mettre cet élément. Par contre, je trouve que c'est vachement, franchement, c'est super mal expliqué. Hein. C'est un peu du pifomètre. Hein. Donc ça viendrait comme ça. Donc ça se mettrait, ouais. Ça se mettrait comme ça. J'enlève la peinture. Ici, je vais faire pareil. Je vais prendre le cutter et je vais enlever la peinture ici. Ce qui est bien, c'est de mettre un petit bout de pâte à fixe. Ce que j'aurais pu faire avant, mais comme ça va aussi bien. Regardez, vous voyez, je gratte un peu et ça le fait pas mal. Comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu de colle. Juste ici.
Voilà, très bien. Et on va pouvoir mettre ça là où ça doit aller. Ouais, bon, faut éviter de faire ça, bien sûr. Voilà. Allez, voilà les amis, ça y est, le moteur, tous les éléments du moteur sont collés. Donc ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, c'est je vais me préparer et on va mettre tous les décals ensemble. Donc il y en a un petit peu partout, des décals au niveau du moteur. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Donc voici le moteur, je vous le présente. Alors excusez-moi pour au niveau des scènes de montage, rien qu'au début, je sais pas si vous avez fait attention, il y a des petits scintillements au niveau des lumières. C'est que je suis en train de m'organiser au niveau du matériel vidéo, voilà, pour que ça fasse de plus jolies vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les amis. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais me préparer avec ma planche de décalque, un petit récipient d'eau, et puis on va mettre tous les décalques sur le moteur ensemble. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve les amis. Du coup, j'ai préparé mon petit bac à eau, hop, ma planche de décalque qui est ici. Et du coup, j'ai commencé par le premier. Donc le décalque numéro 20. Donc je l'ai présenté, c'est un petit, je sais pas trop ce que c'est un petit décalque quoi qui se met à ce niveau-ci là, au niveau du moteur. Alors cette pièce-ci, alors là je peux pas vous dire ce que c'est, cette pièce mécanique. Du coup ensuite, sur la partie 2, il y a deux points d'interrogation là. 1, 2, donc c'est le décal numéro 1 et le décal numéro 2. Alors voilà, je vais vous montrer sur cette caméra-ci. Donc le décalque numéro 1 et le décalque numéro 2. Donc en fait du coup ça on va pas les mettre, parce que moi sur le moteur j'ai mis directement ces chromes là. Voilà, c'est ces chromes qui remplacent ces décalques. Donc du coup ça je vais pouvoir le... Donc ça du coup je le barre, hop, le 1 et le 2. Voilà, en plus il y avait le choix avec le 5 aussi. Ah mais je pense que le 5... Les deux 5 là, je vais bien essayer de me les mettre ces deux là-dessus. Ah non, même pas en fait. Du coup là-bas, ils le mettent pas les décales. Ou le 5. Non mais je crois qu'en fait, faut pas les mettre ces décales aussi là. Ça c'est si je voulais... oui non, il y a le 5 là aussi, vous voyez. Je sais pas si la mise au point elle est bonne. Voilà, il y a le décalque 5 là. Les 5 aussi, ils se mettent à cet endroit là. Non mais je pense que ça se met pas là. Parce que j'ai déjà mis je sais pas comment on peut appeler ça, les caches pistons ou j'en sais rien. Voilà. Alors ensuite, ce qui nous reste, donc ça je vais le barrer. Je vais gratter quand même, je vais regarder. On peut le mettre encore, c'est pas perdu. Là je vais sortir le décalque numéro 18. Donc avec la caméra du haut, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Donc le décalque numéro 18, c'est celle-ci. Hop, voilà. Je vais enlever le comment s'appelle le chiffre, parce que ça, une fois que ça se colle sur le plastique, c'est foutu. Ça, c'est des tout petits, c'est des tout petits décals. Voilà, poubelle numéro 18. Donc ça, je le trempe dans l'eau et je le mets là. Alors, on va mettre déjà le décalque numéro 20, celui-ci.
Alors je mets un petit coup d'adhésif. Ça vient se mettre sur le côté ici. Donc je mets un petit peu de ça ici. Hop là, voilà. Alors là, en fait ça j'aurais dû les mettre par ici plutôt. Donc par contre ça me dit pas dans quel sens que ça pourrait aller. Moi je pense qu'on va le mettre comme ça. Alors est-ce qu'on voit bien là? C'est à peu près, non? Ça viendrait comme ça. J'ai pas préparé mes petits contentiges. À mon avis, pour le plier, va falloir sortir le sèche-cheveux. Ouais, ça a l'air de bien se plier et ça a l'air de le faire sans sèche-cheveux. Voilà. Premier décalque mis. Je sais pas si on voit. Ensuite, le numéro 18. Numéro 18, c'est ce petit truc là. Voilà. Par contre, ça m'indique vraiment pas comment je dois les mettre, s'il faut que je les mette en arrondi. Je pense que ça, c'est peut-être bien en arrondi ou à plat, j'en sais rien. Je les mets un peu au pif, je le mets comme ça. Voilà les amis, donc ensuite j'ai retrouvé, donc ça c'est les petits décalques numéro 13. Si tu veux bien faire la mise au point, Tintin. Voilà, donc on va mettre ça. Ensuite, on va sortir les décales numéro 6 qui se trouvent ici. Voilà, alors c'est vraiment des tout petits décales. Voilà, donc là je coupe. Et on a deux numéro 6. Donc celui-là c'est fait, le numéro 13 employé. Il y avait un autre numéro 13, il se trouve là-dessus. Il est là. Thank you.
Allez, voilà, on se retrouve, les amis. Donc, ça y est. Donc, j'en suis là au niveau du moteur. Hop. Voilà, je refais un petit zoom sur la caméra du bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je vais vous montrer. Alors, ici, il y avait des décales à mettre ici. Je sais pas si on voit, juste au niveau des... Je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Donc, j'ai mis ces décales-là. Il manquait. Ensuite... Il y avait cette pièce-là, là, celle-ci. Je sais pas si vous avez vu sur le plan. Moi, j'avais pas vu. En fait, il me demandait... Regardez si on voit avec la caméra du haut. Ici, il me demandait de limer, en fait. Fallait que je lime un petit coup cette pièce-là, là, pour pouvoir la mettre comme il faut, là. Donc, du coup, je l'ai décollé. Et je l'ai limé. Et effectivement, ça s'emboîte un petit peu mieux. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Bah, je lui ai passé un petit coup de vernis, histoire d'eux. Et du coup, bah là, je vais lui mettre un petit coup de panel line. Voilà, un petit peu de jus. Et je pense, une fois que j'aurai mis le jus, je pense qu'il un petit coup de trou métal. Attendez que je le retrouve. Alors attendez. Le trou métal, le gun métal, il est où? C'est celui-ci. Hop là. Après, on va y mettre un petit coup de ça, juste brosser pour que ça fasse un à ressortir les reliefs. Voilà. Bon bah écoutez, je mélange ça. Voilà. Donc comme je l'ai verni, hein, si jamais j'en mets trop. Un petit coup d'essence F pour enlever tout le surplus. Voilà. Et là, il suffit de foncer tous les détails. De mettre un peu de jus dans toutes les fentes. Ça va faire ressortir les écriteaux. Voilà. Ça donne un petit plus. Donc on va mettre le jeu en musique, les amis. Allez, c'est parti. Allez, voilà les amis, donc le jus il a séché. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pinceau, un peu d'essence F. Alors, je vais prendre un peu de sopalin. Voilà, donc de l'essence F comme ça, hein, nettoyant mais détachant, ça va très bien. Je vais en mettre un petit peu sur mon... Par contre l'essence F, ça s'évapore vachement vite. Donc voilà, on va mettre un petit peu le truc ici, le sopalin pardon. On va prendre un peu le pinceau et le mouiller dedans un peu comme ça. Et là ce qu'on va essayer de faire, c'est rabattre tout le jus... dans les angles.
en enlevant délicatement. Et voilà, on va enlever le plus gros. Donc il faut, faut aller dans le sens là où on veut mettre le produit. Et vous voyez l'effet? Je pense qu'on voit bien. Je pense qu'il faut que je mette parce que là ça va pas du tout dans mon sopalin. Je vais mettre ça dans un petit petit bocal. Est-ce que j'ai un petit bocal? Je crois que j'en ai un là-haut. Ne bougez pas, les amis. Voilà. Il faut vraiment un petit peu. Même là, j'en ai mis trop. Mais bon, ça a tendance de bien s'évaporer. Alors, attendez, je remets mon micro. Hop là, voilà. Le sopalin, on va le laisser là. Peut-être un petit peu plus simple. Allez, on va travailler là. Là où il y a les ombres. Le but du jeu en fait c'est de ramener la matière vers les creux en fait. Voilà. Ça y va tranquillement mais. Le problème de l'essence F c'est que ça s'évapore vite. Voilà. Et ça fait un petit effet sympa. Je sais pas si on voit. Je vais essayer d'emmener à peu près. Je vous montrerai ça de toute façon à la fin. Et l'avantage d'avoir un petit peu verni, c'est que on garde la peinture quoi, propre. Quoi. Bon, je vais faire ça dans mon coin, les amis, et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, et voilà, les amis, ça y est. Donc ça, c'est fait. Ça donne un petit effet. Un petit effet d'encrassement, on va dire. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire pour finir la vidéo, on va y passer un petit coup de... Je vais reprendre à nouveau ce sopalin. Hop. On va y passer un petit coup de trop métal, donc un gun métal, hein, avec un petit pinceau comme ça, là, pour brosser doucement, léger. Donc on va en mettre un petit peu sur ce petit sopalin. Même là, il y en a de trop. C'est vraiment histoire de... Hein, c'est vraiment léger, quoi. On va essayer, du moins. Donc, il faut bien le... Comment dire, bien l'essuyer. Voilà. Et puis, on va essayer de l'appliquer juste au niveau des surépaisseurs. Là, ça fait briller un peu. Mal. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief, je sais pas si on voit l'effet à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu comme ça on voit bien l'effet. Donc, faut pas non plus en mettre trop, juste au niveau des reliefs.
Et voilà. Le petit moteur est terminé pour moi. Hop. Donc j'ai commencé, hein, j'ai commencé à anticiper là, la partie 6, la partie 7, la partie 8. Donc j'ai commencé à nettoyer mes pièces. Mais ça, ça sera pour la prochaine vidéo, les amis. Voilà. Donc voilà, voilà le petit moteur. Je le trouve fort sympathique. Hein, pas mal du tout, en définitive. On s'en est pas trop mal sorti, on va dire. Et puis voilà, les amis, super cool. Allez, si la vidéo vous a plu, hein, mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Faites attention à vous. Et puis, à la prochaine. Allez, à plus. Salut, ciao. Bye bye.